Le Franchise Business Club a été créé par AC Franchise pour répondre à des problématiques spécifiques aux franchiseurs. Nous avons d'ailleurs déposé la marque Franchise Business Club à l'INPI. En 2011, nous avons traité de la façon d'améliorer la qualité des candidatures reçues par les franchiseurs. En 2012, nous avons voulu aider les franchiseurs à savoir où et comment trouver de bonnes implantations pour leurs franchisés dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Le bilan est très positif puisque nous avons pu, sur l'ensemble des 4 territoires de la région, de la Côte d'Opale, de l'Artois, du Grand Hainaut et du Grand Lille, faire un point complet sur l'ensemble des projets et des potentiels. Et l'ensemble des personnes qui étaient présentes lors de cette manifestation étaient vraiment, vraiment très contents de ces présentations. Des contacts ont été pris avec des franchisés, des franchiseurs et les chambres de commerce et les conseillers commerce. Donc vraiment, je pense que c'est une opération qui a bien fonctionné. Parmi les grands thèmes que nous avons évoqués, nous avons fait une présentation de la région Nord-Pas-de-Calais, puisqu'il est important de bien connaître la région dans laquelle les franchiseurs ou les commerçants veulent s'implanter. Et ensuite, nous avons mis l'accent sur des présentations territoriales, avec une présentation de l'économie de ces territoires, puisque le commerce, c'est avant tout de l'économie des territoires dont on parle. Et ensuite, nous avons balayé l'ensemble des projets ou des renouvellements urbains en cours sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais est une région intéressante pour s'implanter. D'une part, nous avons une densité de commerce rapportée à la population qui est inférieure, quel que soit les secteurs d'activité, de l'habillement, des loisirs, de l'alimentaire. Nous sommes une région en développement, fort développement touristique, une région aussi frontalière qui accueille de plus en plus de touristes belges ou d'acheteurs belges. Nous avons aussi beaucoup d'anglais et les nombreux projets comme le Louvre-Lens ou sur la Côte d'Opale comme Nausicaa ou sur la métropole vont dans les années qui viennent attirer de plus en plus de touristes et c'est autant de consommateurs pour les commerces de notre région. Les principaux atouts, eh bien, il y en a beaucoup pour citer sa position stratégique, aussi sa population qui est très, très accueillante et puis c'est une région en développement sur l'ensemble de ces territoires avec de nombreux projets. Pour les franchiseurs, eh bien, je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent. Nous sommes une région en mouvement, de nombreux projets, une population qui est jeune, une population qui investit de plus en plus. On est ici dans le cadre du Salon Créé, on voit la population aussi créer de plus en plus d'établissements. Donc on est véritablement sur une région en pleine dynamique. Nous remercions chaleureusement le Salon Créé de nous avoir apporté un soutien essentiel en nous offrant à nouveau leur confiance, leur partenariat et la possibilité d'organiser cette journée au sein du Salon Créé 2012. Nous remercions tout aussi chaleureusement les CCI de la région Pas-de-Calais et du Nord qui ont apporté leur connaissance du terrain, de l'économie locale et des projets en cours. Nous n'aurions jamais pu vous fournir autant d'informations clés sans leur intervention forte et qualitative.